Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence à cette nouvelle table ronde donc, qui porte sur l'innovation et plus particulièrement sur l'innovation du point de vue de la technologie. Merci d'être venu si tôt au bout de ce troisième jour, hein, un peu marathonien. Donc un grand merci pour votre présence et votre participation, j'espère, qui sera riche et intéressante, fructueuse, et que vous repartirez avec tout un tas d'éléments, de retours d'expérience, et que vous-même aussi, hein, n'hésitez pas aussi au cours de cette table ronde à participer, poser des questions, puisque c'est l'objectif et l'intérêt de ce temps de rencontre, c'est que tout le monde puisse y participer. Alors, pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir trois bibliothécaires qui vont venir parler à tour de rôle de leur expérience, de ce qu'ils ont organisé, des difficultés éventuellement qu'ils ont rencontrées, avec notamment donc Renaud Ayout, qui est chargé du système d'information à la médiathèque départementale du Puy-de-Dôme, qui reviendra justement sur cette expérience, sur la mise en place de projets autour du numérique et voir si le numérique est en soi vecteur d'innovation ou si au contraire ça ne va pas se traduire plutôt sur la capacité à mettre en relation des individus, à la fois du côté des collègues, à la fois du côté du public, les implications, les conséquences que ça peut avoir, les modifications en termes d'organisation, de refonte d'organigramme, de fiches de poste, et essayer de s'interroger sur justement si c'est pas une question, l'outil numérique, les technologies numériques ne sont pas plutôt un prétexte. Puis nous avons le plaisir aussi d'accueillir Antonina Guta, qui est responsable du département recherche et développement du SCD de l'Université Paris 8 et qui là aussi, déjà rien que dans son intitulé, représente une innovation puisque la création justement de ce département recherche et développement est quelque chose d'assez novateur, assez original et intéressant dans la... les objectifs qu'il se dote. Donc elle nous racontera aussi un petit peu comment ça s'est mis en place, le contexte, et reviendra sur des éléments, des projets notamment prévus, qui est un système de prévisualisation, de visualisation, de statistiques d'usage, d'emprunts, des collections mis en place à Paris 8. Et enfin, Julien De Vrient, qui officie dans les médiathèques de Choisy-le-Roi en tant que responsable du numérique et qui est aussi responsable de la commission Labambib de l'ABF et qui reviendra justement sur les expériences qu'ils ont mis en place et nous montrera comment en fait le numérique ne se suffit pas lui-même comme étant une source d'innovation, mais qu'en fait ça repose derrière sur des projets, sur de la transdisciplinarité et sur des croisements qui sont à monter pour pouvoir être véritablement une source d'innovation et un moyen pour les bibliothèques de s'emparer de ces questions-là qui ne doivent pas être laissées seulement à des experts ou à d'autres professionnels. Je vais commencer par laisser la parole à Renaud qui va se présenter et présenter surtout son projet. Bon, bonjour, merci à toutes et à tous, merci de cette invitation. Thomas, alors Thomas nous a dit no PowerPoint, alors vous voyez, on a suivi la consigne pour que ça soit aussi plus dynamique et créer cet échange que Thomas a souhaité entre nous et entre vous et nous. Donc je suis aujourd'hui responsable, enfin chef de projet sur le système d'information à la médiathèque départementale, mais l'intitulé est relativement nouveau pour moi puisque depuis 4 ans j'étais d'abord chef de projet sur le développement numérique à la médiathèque départementale, toujours, enfin déjà, du Puy-de-Dôme, donc sur le développement des projets autour des ressources numériques, de l'introduction des outils numériques comme les tablettes et les liseuses en bibliothèque, etc. Donc aujourd'hui, projets qui sont en place et sur lesquels je travaille avec deux collègues, deux assistants qui gèrent d'un côté les ressources électroniques et de l'autre les tablettes et liseuses qui sont pas là mais que je salue parce qu'aujourd'hui enfin, ils ont fait énormément. Donc je représente évidemment une équipe, c'est un petit peu en leur nom que je parle. Alors, moi je vais pas effectivement envisager
uniquement la technologie là, dans le quart d'heure que Thomas m'a donné, mais surtout parler aussi des compétences et du temps humain à mobiliser pour que cette technologie soit mise au service d'un projet. Nous n'avons pas envisagé la technologie comme une réponse à une problématique, mais plutôt comme une nécessaire adaptation au milieu, c'est-à-dire aux conditions du milieu qui avait évolué. Les usages et les pratiques numériques sont aujourd'hui répandus. Il n'a donc fallu que les bibliothèques s'en emparent, mais à aucun moment la technologie n'est une réponse seule à une problématique. C'est évidemment pas stricto sensu ni l'informatique ni la technologie même, le numérique. C'est au-delà, le terme numérique, comme le rappelle souvent Milad Douai, ça se double d'une dimension culturelle qui est liée à nos usages et nos pratiques. Il s'agit bien de la manière dont les individus et la société d'une manière générale s'emparent ou se sont emparés de ces outils, à la fois dans leur vie professionnelle, dans leur vie privée, etc. Et évidemment de toutes les valeurs projetées aussi ou associées à ce phénomène, ce qu'il ne faut pas négliger, puisqu'on a évidemment le numérique véhicule aujourd'hui beaucoup de valeurs, soit négatives, soit positives, et il faut le prendre en compte dans leur mise en place pour éviter des phénomènes évidemment de rejet, de saturation, etc., qui sont parfois bien légitimes, tant on a l'impression qu'il y a parfois une injonction au développement numérique. Concernant donc l'action qu'on a menée en bibliothèque départementale, on a évidemment nous une fonction support, une fonction d'accompagnement. Je ne reviendrai pas dessus, vous connaissez bien les bibliothèques départementales. Nous avons donc essayé d'envisager, comme on le dit souvent, la bibliothèque comme combinaison d'installations, de collections et de services, et d'identifier le fait qu'introduire le numérique ne peut jamais se résumer à une seule de ces dimensions, du point de vue des installations, des collections ou des services. Si on prend l'exemple de l'introduction des tablettes numériques en bibliothèque, comme c'est à Légion aujourd'hui, on ne peut pas le résumer à une seule de ces dimensions. Hein, si bien entendu, lorsqu'on met en place ce genre de nouveauté, on remarque systématiquement qu'a priori ou a posteriori, c'est mieux a priori, faut envisager au-delà des aspects techniques les ressources auxquelles on souhaite donner accès avec ces tablettes et le type de service qu'on va proposer autour, l'accompagnement, etc. Donc cette déclinaison numérique, elle est vraiment pensée dans une démarche globale sur cette combinaison d'installations, de collections et de services qui est un petit résumé de la bibliothèque. C'est évidemment pas l'apanage des bibliothèques, puisque vous aviez lu que de nombreux rapports récents, le Conseil national du numérique, le rapport Camani-Verdier, le rapport de l'Assemblée des départements de France, etc., insistaient sur la nécessité de mettre en place, parallèlement au développement des infrastructures, alors on était très centré sur le très haut débit dans certains de ces rapports, une médiation numérique pour favoriser l'usage. Alors on a essayé de s'interroger sur cette question, est-ce que c'est la médiation du numérique, la médiation au numérique ou la médiation par le numérique? Je crois que ces trois possibilités sont intimement liées et on peut essayer justement à la fois de les distinguer pour mettre en œuvre une action, mais elles sont toujours interdépendantes dans la mise en œuvre de nos actions. Alors c'est pour ça qu'on s'est intéressé à cette notion de médiation numérique qui est encore en construction, même si on en parle depuis bientôt 10 ans. Pour résumer, c'est la transmission des savoirs et des savoir-faire à l'ère numérique, d'une part, et d'autre part, évidemment, la sensibilisation au numérique en tant que nouvelle culture à part entière. Ce sont deux enjeux qui sont évidemment interdépendants, à la fois cette sensibilisation à cette nouvelle culture et en même temps le fait d'utiliser le numérique pour continuer à faire notre métier de transmission et de passeur, puisque l'environnement a changé. Donc nous avons essayé de mettre en place pour nos projets, de nous appuyer sur justement ce que rappelle souvent Silver Mercier, à savoir que il y a trois dimensions imbriquées dans la médiation numérique, à la fois la question des besoins d'information auxquels on souhaite répondre, la question des usages et la question des outils. Les besoins d'information, bah évidemment, ce sont les besoins documentaires à couvrir dans cette logique de complémentarité des supports et des accès. Les outils sont les terminaux, les logiciels, etc. à mobiliser. Et puis, les usages, c'est l'adéquation des solutions qu'on va proposer aux pratiques numériques, voire à leur accompagnement, puisque, comme je le disais, voilà, c'est rarement une solution.
en ce qui concerne la médiathèque départementale et aussi les bibliothèques auxquelles avec lesquelles on travaille dans des zones parfois très rurales. Il y a une logique d'accompagnement et de développement numérique qui parfois, je dirais, précède l'appropriation sociale de l'outil. Pourquoi on le fait ? C'est aussi parce que ce développement numérique, auquel on nous incite par différents dispositifs, y compris évidemment par le ministère de la Culture, etc., il génère quand même des risques de dits exclusion, comme on dit. Et ça, ça a des impacts forts sur les politiques publiques qu'on doit mener. L'exclusion, ça menace évidemment les politiques culturelles de démocratisation de la culture et de transmission de la connaissance. Quand une partie de nos collections migre vers l'accès au numérique, les personnes qui n'ont ni les compétences ni les outils pour accéder à ces ressources, voilà, on les met évidemment dans une situation de renforcement, voire d'exclusion, de cette exclusion. Ça a des impacts aussi, évidemment, sur les politiques sociales, mais ça, j'en parle pas trop, je ne détaillerai pas trop, mais quand on envisage ça avec nos collègues sociaux, des services sociaux, les problématiques aujourd'hui d'accès aux droits qui se font de plus en plus par le numérique, voilà, on nous invite évidemment en bibliothèque aussi à jouer ce rôle pour accompagner vers les usages numériques pour que les personnes qui puissent accéder à leurs droits, qui ont besoin d'accéder à leurs droits, puissent le faire aujourd'hui par des logiques numériques, par des moyens numériques. Et puis évidemment, c'est aussi les logiques d'aménagement du territoire qui peuvent être mises en péril par le développement du numérique à sens unique qui oublierait les territoires les moins peuplés et les moins dotés. Le Conseil national du numérique avait d'ailleurs ciblé 3 types de populations qui pouvaient être, se retrouver en situation dite exclusion. Ils avaient identifié un premier cercle des publics les plus fragilisés, en général isolés socialement et concernés en priorité par ces besoins, par ce risque dit exclusion. Mais aussi des publics qui, d'un deuxième cercle qui ne sont pas concernés par les logiques d'exclusion traditionnelles, mais qui peuvent se retrouver exclus des politiques publiques que l'on mène par le développement numérique, le tournant numérique qu'elles peuvent prendre. On peut évidemment penser aux seniors, par exemple, ou aux populations les plus rurales qui n'ont peut-être pas accès au très haut débit, par exemple. Et puis enfin, des personnes qui n'appartiennent à aucune de ces catégories en difficulté, mais pour lesquelles des politiques publiques d'accompagnement au numérique sont à envisager. Et là, on peut penser également à ce qui se fait, mais Antonina en parlera beaucoup, en direction des étudiants qui, bien que digital natives, ne possèdent pas nécessairement toutes les compétences de littératie numérique qu'il convient de leur transmettre. Alors du coup, pour travailler ces 3 dimensions, on a essayé de scinder les projets, encore une fois, pour pouvoir un peu les circonscrire, mais ils sont évidemment très liés les uns aux autres. D'abord, la mise en place de ressources numériques en direction des bibliothèques du département, enfin en direction de leurs utilisateurs, mais évidemment par la médiation, par l'intermédiaire des bibliothèques du département. Quand je disais que la technologie n'est pas une réponse dans ce cas-là, je voulais juste vous citer quelques chiffres de formation donnée par mon collègue Julien depuis le début de l'année, simplement, pour l'usage par les bibliothécaires de la médiathèque numérique du Puy-de-Dôme. Quoi qu'on pense après des solutions qui nous sont proposées, que ce soit pour le prêt de livres numériques ou pour l'accès à la vidéo en ligne, etc., pour une quarantaine de structures participantes, quarantaine de bibliothèques ou de réseaux participants à cette mise en place de ressources électroniques sur notre territoire du Puy-de-Dôme, depuis le début de l'année, c'est une vingtaine de demi-journées de formation pour une petite centaine de bibliothécaires formés. Donc, qui dit vingtaine de journées de demi-journées de formation dit autant en préparation, évidemment. Donc, vous voyez le temps que ça va mobiliser pour une personne qui a à mettre en œuvre une médiathèque numérique. Voilà, ne pas négliger cet aspect. De la même manière, j'ai une collègue qui a
accompagne les bibliothécaires sur l'appropriation des liseuses et des tablettes, et qui a passé depuis le début de l'année également pour ce genre de projet une centaine d'heures sur l'accompagnement de ces bibliothèques. Alors, donc, des dispositifs de formation à imaginer, parce que les bibliothèques ne sont pas forcément encore armées dans leur formation pour prendre en charge cela. Ensuite, des dispositifs plus expérimentaux autour de l'appropriation des tablettes et des liseuses. L'idée étant que, comme je le disais, ces outils-là ne sont pas des réponses, mais sont des moyens à mobiliser dans une logique de service, donc de proposition en direction de tel ou tel public. Et là, pendant 3 ans, on a donc, je vais faire très vite pour respecter le timing que me donne Thomas, évidemment. Pendant 3 ans, la décision a été évidemment d'accompagner et de former les bibliothécaires à l'usage de ces outils pour les laisser développer les projets en interne qui correspondent à un intérêt pour eux, mais ça a pu faire émerger du coup une vingtaine de bibliothèques qui ont mené des projets tablettes et liseuses en 3 ans et qui ont permis ensuite de décliner des projets plus transversaux qui peuvent être ensuite transposés d'une bibliothèque à une autre. Alors une ludomale par exemple autour du jeu avec un versant physique et un versant numérique, mais également un travail en direction des assistantes maternelles et des acteurs sociaux, puisque malheureusement on remarque de plus en plus que les tablettes sont mises dans les mains des enfants de plus en plus jeunes. Et alors soit on dit c'est mal, soit on dit il faut rappeler des éléments peut-être de prudence, mais il faut aussi peut-être travailler avec ces acteurs pour essayer de leur recommander des contenus de qualité. Donc un travail très fin là entre quelques bibliothèques et des assistantes maternelles pour essayer et les PMI, au département c'est plus évident évidemment, pour mettre en, comment dire, construire à la fois un discours et des propositions pour que les enfants et futurs citoyens puissent ne pas grandir dans un environnement relativement problématique du fait de l'introduction précoce non seulement de tablettes, mais en plus de la mise à disposition de contenus qui ne seraient plus du tout recommandés par les acteurs de la puissance publique, acteurs sociaux, bibliothécaires, mais uniquement par le marketing des plateformes que l'on retrouve sur ces tablettes. Voilà, donc je m'arrête là et puis on pourra revenir dans les détails si certains aspects vous intéressent. Merci, désolé, c'est un peu décousu ou bref. Merci Renaud. Vous pouvez l'applaudir, effectivement. Alors on va poursuivre maintenant avec Antonina, qui va nous présenter un petit peu à Paris 8 comment s'est mis en place différents projets. Donc, comme j'ai évoqué tout à l'heure, la mise en place d'un département recherche et développement, un projet lié à la visualisation de statistiques d'usage d'emprunt, qui est très importante et innovante, et aussi un projet autour d'un serious game. Je te laisse la parole. Bonjour. Donc, en fait, moi, je travaille dans une bibliothèque universitaire de sciences humaines et sociales à Saint-Denis. Alors, effectivement, nous, on a inscrit l'innovation dans notre organigramme en septembre 2015 avec la création du département recherche et développement. Donc, mon exposé, dans un premier temps, je vais vous dire quelques mots de ce département et ensuite, j'évoquerai 3 projets. Alors, pourquoi la création de ce département recherche et développement ? En fait, il émane de la volonté de rendre visible la dynamique d'évolution qui était à l'œuvre au sein du SCD, de faire émerger et de structurer les forces de changement à l'œuvre. Et donc, 9 agents travaillent dans ce département, donc c'est un petit peu plus de 8 équivalents temps plein. Et en fait, on assure 4 missions, donc une mission formation du personnel. On a tenu à mettre cette mission dans ce département parce qu'on est parti du principe que la formation du personnel était le levier privilégié au changement. Une mission audiovisuelle, puisqu'on a un projet de VOD. Tout ce qui est relatif au service aux chercheurs et une mission innovation et prospective, donc qui comporte notamment de la veille et de l'accompagnement de projets donc au sein de la bibliothèque et dans un périmètre plus large quand ça se présente.
Alors, le premier projet que je vais évoquer, c'est le projet de Learning Center, donc un projet porté par la bibliothèque. Alors, le bâtiment a ouvert en 1998, c'est un bâtiment de Pierre Riboulet. Notre Learning Center, en fait, ça va être un projet de réhabilitation, de modernisation de la bibliothèque, qui sera piloté par François Sognot. Donc François Sognot, il y a eu un portrait dans l'Archimag de mai 2016 où elle donne une définition du Learning Center. Donc elle dit que c'est le point central de l'université, le lieu de vie où l'on se rencontre. On a parlé de Learning Center à Paris 8 pour la première fois en mai 2010, voilà, dans le cadre d'une note. Et le projet comportait deux dimensions, donc rapprocher la pédagogie et la documentation et intégrer le numérique. Alors, rapprocher la pédagogie et la documentation, donc il y a plusieurs façons de développer ces logiques de coopération. On a essayé de faire participer des étudiants à ce projet, notamment par le biais d'un enseignant-chercheur en psychologie, en spécialité ergonomie, qui a fait plancher ses étudiants de master en leur demandant « que voudriez-vous dans cette bibliothèque ?». Et donc ils ont chacun présenté des projets très différents, mais effectivement, dans chacun de ces projets, on retrouvait une dimension de la définition de l'architecte. Voilà, donc il était question d'espace d'échange, de construction des savoirs et de compétences. Voilà, mais ils ont vraiment la volonté d'être acteurs de leurs apprentissages et d'être co-constructeurs de tout ceci. Alors, notre projet, il s'appelle La Pépinière, justement parce que pour rendre l'idée de cultiver de nouvelles formes d'apprentissage. Alors, l'intégration du numérique, elle passe notamment par une collaboration plus étroite avec d'autres acteurs de l'université, puisqu'on souhaiterait faire en sorte que la bibliothèque soit plus présente dans la plateforme pédagogique de l'université. Donc ça va impliquer un travail avec la structure support à l'université de pédagogie numérique. Voilà. Et donc effectivement, quand on parle de Learning Center, on ne peut pas faire l'économie de la notion de décloisonnement des métiers, hein, et de travail collaboratif. Voilà, donc pour le projet de Learning Center. Alors, le projet prévu, donc c'est un projet de chercheur, comme vous l'a dit Thomas, un projet de visualisation des données de prêt, c'est pour ça que ça s'appelle prévu, hein, prévu. Et donc, l'objectif c'est, de cette plateforme, c'est de saisir les statistiques de prêt par le biais de représentations graphiques, donc donner du sens aux données, les rendre visibles et signifiantes. Alors, ce chercheur, il travaille dans un laboratoire d'excellence qui s'appelle Art et Médiations Humaines, et plus précisément, donc, c'est l'équipe Situ Paragraphe, donc les membres de cette équipe, ils émanent de trois champs disciplinaires différents, sciences de l'information, psychologie et informatique. Ils sont, voilà, eux, ils travaillent beaucoup donc dans le champ d'expérimentation des humanités numériques. Ils sont vraiment spécialisés dans l'usage et le développement d'applications innovantes centrées sur l'homme et pour l'homme. Et ils s'interrogent en permanence sur les enjeux technologiques. Alors, ce projet, il permet une approche plus facile des données. Alors, les applications qu'on pourrait en imaginer, donc pour les étudiants, ce serait un système de recommandation, hein, puisqu'on est vraiment dans l'ingénierie de la recommandation et des algorithmes. Pour nous, bibliothécaires, ça nous permet de tirer des informations qu'on ignorait sur l'usage de notre public, qu'on va pouvoir réinvestir dans l'amélioration des services, donc notamment en politique documentaire. Et puis, ça nous donne des informations sur les stratégies de recherche documentaire des étudiants.
Et puis ce vers quoi on tend, c'est à produire de nouvelles corrélations entre ces visualisations des données qui concernent les usages de nos collections imprimées avec les statistiques d'utilisation des ressources électroniques par le biais des outils nationaux mis en place pour l'enseignement supérieur, hein, via Couperin notamment, EasyParse et eMesure. Voilà. Donc, ce que je vous présente, hein, ce sont vraiment des work in progress, ce sont des projets, des choses qui sont en cours, donc rien n'est figé, et voilà, il y a encore beaucoup de... Voilà, le champ des possibles est encore bien, bien ouvert. Alors, dernier projet, donc, on a été convié, donc, qui a été conduit par des étudiants, on a été convié à une soutenance, donc ce sont des étudiants qui, dans le cadre d'un département hypermédia, ont imaginé un serious game. Voilà, donc ils se sont demandé comment on pouvait jouer dans les bibliothèques ou dans tout autre lieu de connaissance. Ils ont appelé leur projet X-Ray, donc j'en connais un rayon. Et donc l'objectif, c'est d'aider à découvrir différentes thématiques de lecture, hein. Donc il s'agit vraiment de spatialisation des connaissances. Voilà. Donc l'objectif consiste à inviter les étudiants à trouver des livres en rayon. Et en fait, il faut imaginer, donc c'est sur smartphone et tablette, c'est un tableau, un plateau de jeu qui est composé de pièces hexagonales. Avec donc il y a sur chaque pièce il y a un trait et en fait chaque pièce représente un livre, donc dès lors que l'étudiant a trouvé le livre en rayon, l'a scanné, voilà, la pièce hexagonale reprend la couverture de l'ouvrage, hein. Et voilà, l'objectif, c'est bien évidemment de trouver le plus de livres possible. Alors, nous, on pourrait l'intégrer, par exemple, dans le cadre de visites de bibliothèques, de formations, voilà, en mettant à la disposition des étudiants une tablette avec ce jeu. Voilà, le gros intérêt de ce type de serious game, c'est qu'il permet de réintroduire du sensoriel dans l'apprentissage. Donc d'ancrer plus profondément les connaissances. Voilà. Et voilà, cette association du tangible et du numérique, d'un point de vue pédagogique, elle est intéressante. Voilà. Donc très rapidement, je vous ai présenté trois projets. Voilà. Moi, je suis toujours amusée de voir le pouvoir de fascination qu'exerce le lieu bibliothèque. Auprès des étudiants, auprès des enseignants-chercheurs, ils s'emparent de cet objet d'étude, on va dire, avec beaucoup d'enthousiasme. Et j'ai l'impression que ce pouvoir de fascination, il est ravivé par les nouvelles technologies. Voilà. Et sinon, voilà, parmi les points communs de ces trois projets, je dirais que chacun, à sa façon, contribue à créer un espace pour des communautés, voire à conforter ou créer des communautés. Et chacun, à sa façon, rappelle que la technologie ne prend tout son sens que dès lors qu'elle permet de créer des liens avec des partenaires et de replacer l'usager au cœur de nos actions. Merci Antonina et merci pour cet éclairage et aussi cette vision qui c'est intéressante d'un point de vue de bibliothèque universitaire. C'est assez intéressant, je trouve, qu'on ait ce millefeuille un petit peu là, territorial, entre une bibliothèque départementale, une BU, et puis maintenant une bibliothèque municipale avec Julien qui va nous montrer qu'effectivement la technologie et les outils numériques ne suffisent pas pour être innovants. Oui, merci. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Merci d'être venus ce matin. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde, très honnêtement. On est ravis. Donc, je travaille pour le réseau des médiathèques de Choisy-le-Roi. Je suis arrivé là-bas maintenant il y a 2 ans. Auparavant, j'étais responsable aux ULIS. Et juste un petit retour, quand je travaillais aux ULIS, en fait, j'étais responsable de l'espace numérique. Et on avait tendance, et c'est un tort,
à vraiment travailler de manière très cloisonnée au final. Et j'étais uniquement responsable de cet espace et il y avait une difficulté d'arriver à bosser avec le reste de l'équipe. On a réussi à mettre en place des choses très innovantes, on a foncé un petit peu, mais avec le recul, je dirais qu'on n'a pas fait du si bon boulot que ça, dans la mesure où on n'a pas réussi à élargir à l'ensemble des collègues. Et ça, c'est vraiment un truc que je me dis, bon, on est vraiment passé à côté de quelque chose. Mais en même temps, il faut apprendre et il faut avancer. Donc voilà, c'est... On a pu mettre en place pas mal de choses assez innovantes, mais ça ne résonnait pas sur l'ensemble de l'équipe. Et ça, c'est un tort. Depuis que je suis arrivé à Choisy-le-Roi, j'ai une autre position maintenant. Je suis membre de l'équipe de la direction. Et là, je ne peux plus me permettre de foncer et d'avancer tout seul dans mon coin. Et là, il faut vraiment que j'arrive à avancer avec l'ensemble de l'équipe. Et là, ça change tout, vraiment. Déjà, il faut prendre le temps. Il faut vraiment accompagner les collègues, etc. Et là, on a un gros enjeu. On a un gros enjeu d'accompagnement. Il faut arriver à vraiment prendre les collègues par la main là-dessus et leur montrer que le numérique, on n'est pas là pour, c'est pas là pour remplacer leur mission. On n'est pas là pour les mettre de côté, etc. Mais bien au contraire, montrer que ça peut être une valorisation de leur mission et de ce qu'ils font déjà par ailleurs. Le numérique, ce qui va être intéressant, c'est d'adopter une démarche la plus transversale possible. Ce qui va être intéressant, c'est bien montrer que la techno seule dans un lieu ne va pas suffire. Mais les deux invités l'ont bien montré. En gros, une imprimante 3D seule dans un coin, ça ne va rien faire d'intéressant. Le roi Merlin le fait, la poste le fait, et au grosso modo, ce que vous allez faire, c'est que vous allez... imprimer 50 tuyaux en plastique dans un coin, et une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, il faut qu'on arrive à mettre en place des projets là-dessus. Il faut qu'on arrive à se raccrocher aux missions de nos bibliothèques. Et donc pour ça, pour vraiment arriver à se raccrocher aux missions de vos bibliothèques, il faut qu'on arrive à monter un projet à l'échelle de la bibliothèque. Et si on met ça à l'échelle de la bibliothèque, eh ben, nécessairement, il faut qu'on arrive à emmener toute l'équipe. Et ça ne peut pas uniquement reposer sur un profil d'animateur multimédia ou d'expert numérique que vous avez recruté. C'est bon, là, c'était un peu brouillon au début, maintenant on arrive à raccrocher un peu les wagons, je suis désolé. Vous êtes nombreux. Voilà un petit peu. En gros, il ne faut pas perdre de fond nos missions. Les collections, tous les services qu'on va proposer, etc., n'ont d'intérêt que s'ils rencontrent du public. Et il faut que nos fonds vivent. Calanche parlait de fonds vivifiés. Et le numérique va permettre ça, va permettre de créer d'autres outils de médiation, va permettre de créer d'autres moments de rencontre, finalement, avec tout ça. Quand mes collègues me demandent, Julien, toi tu t'occupes du numérique, les sélections d'applications jeunesse, c'est toi qui vas t'en occuper. Ok, je veux bien, mais le problème c'est que j'y connais pas grand-chose en fond littérature jeunesse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme Renaud l'a rappelé, ce qui va être important, c'est les contenus. Et donc, du coup, si je ne connais pas la production, ce qui va s'y faire, etc., si je ne connais pas bien non plus les gens, le public qui fréquente plus particulièrement cet espace, je ne vais pas être à même de produire, finalement, et d'arriver à faire en sorte que les usagers rencontrent leurs besoins en information, etc., etc., et correspondent au mieux aux usages du public. Donc du coup, il faut qu'on arrive à vraiment à bosser ensemble. Et je vais vous expliquer un petit peu deux, trois exemples qu'on a mis en place après pour arriver à faire en sorte que ça marche. L'autre point que je veux aborder, c'est que pour moi, le numérique, certes, il y a un enjeu en termes d'exclusion, etc. Mais pour moi, ça se traduit surtout en termes d'expression et de prise de parole. Pour moi, l'enjeu, il est là. Il faut arriver à montrer et accompagner public jeune, mais aussi moins jeune, sur le fait que ces outils-là numériques sont des outils de création et d'expression. Et pour moi, la médiathèque, elle est là. Elle va accompagner les gens à découvrir, bien entendu, des œuvres culturelles, etc. Mais du coup, à partir de là, à partir du moment où on aura répondu à des besoins d'information, de documentation, pour les usagers dans leur vie de tous les jours, ils seront à même de prendre la parole. Mais encore faut-il aussi, une fois qu'on a répondu à leurs besoins d'information,
les accompagner sur les différentes manières de pouvoir s'exprimer. Bien entendu, on va s'exprimer à travers des ateliers d'écriture, et ce que font les bibliothèques depuis très longtemps déjà. Et là-dessus, on n'a pas grand-chose à vous apprendre, si ce n'est peut-être dire, attention, maintenant on a des outils numériques qui vont permettre aussi de s'exprimer sur d'autres canaux. Ça ne change pas le fond de la pensée, enfin encore que ça peut quand même discuter, mais en gros l'idée, ce n'est pas tellement de modifier le fond de la pensée, mais c'est juste de dire que, en plus d'un atelier d'écriture classique, on peut s'exprimer sur un blog, donc apprendre à écrire sur le web, on peut apprendre à s'exprimer à travers la programmation, on peut créer des œuvres interactives, on peut faire du graphisme, aussi bien par des méthodes classiques, en peinture, art plastique, etc. On peut jouer de la musique. Et c'est parce qu'on va mélanger toutes ces approches-là qu'on va avoir des projets intéressants. En gros, nous, ce que j'essaie de défendre en grande partie, c'est le fait de partir sur des ateliers que vous connaissez déjà. Partez sur des choses que vous avez déjà l'habitude de faire, dans lesquelles vous allez commencer à intégrer un peu de numérique. Et à partir de ce moment-là, ça va être beaucoup plus intéressant parce qu'on va croiser les approches. Et plus on mélange les approches, c'est là que l'innovation va se créer pour moi. L'innovation, c'est bien souvent deux technos, deux idées qui existent déjà depuis longtemps. Mais simplement, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de les mettre ensemble pour créer quelque chose de nouveau. Et plus on va mélanger ces approches, plus on va arriver à faire dialoguer des gens issus de différentes communautés, des communautés techno, mais des artistes, des profs, des scientifiques, etc. Et bien, à ce moment-là, on arrivera à créer des projets de plus en plus intéressants. Rien ne vous empêche de mettre de la littérature, rien ne vous empêche de mettre de la musique, etc. Et de faire collaborer tous ces gens-là différents. Si vous laissez la techno uniquement aux spécialistes de la techno, vous n'aurez que des projets techno. Et ça ne va pas être super intéressant. Et en même temps, si vous faites plein d'ateliers d'expression qui ne prennent pas en compte cette dimension autour du numérique, on ne répond pas non plus aux enjeux d'appropriation des cultures numériques et on n'accompagne pas non plus la littératie numérique. Et donc, du coup, on risque d'avoir des citoyens qui risquent d'être déconnectés de tous ces outils-là et de, du coup, pas être en mesure de pouvoir prendre la parole à un moment donné sur ces outils-là et donc, du coup, d'être mis vraiment de côté. Alors, comment est-ce qu'on arrive, parce que c'est bien gentil de dire tout ça, mais comment est-ce qu'on arrive à accompagner des équipes qui se sentent pas légitimes parce qu'ils n'ont pas suivi une formation initiale dans laquelle était intégrée une dimension numérique, et j'ai plein de collègues pour qui ce n'était pas le cas, se disent aussi que finalement on a déjà beaucoup de temps à consacrer sur une émission classique, et donc du coup, rajouter des outils numériques, c'est compliqué, parce que ça va prendre du temps, c'est chronophage. Il y a des besoins de formation qui ne sont pas toujours bien suivis aussi par les tutelles, etc. Quand Renaud parle de médiation de haut par le numérique, ça concerne aussi les collègues. Et une des premières choses qu'on a faites, c'était de m'intéresser à tous les ateliers que proposaient mes collègues, et notamment ceux qui étaient le plus éloignés du numérique. Et donc, du coup, je suis parti sur leur atelier Racontine et Imagimo. Racontine et Imagimo, c'est quelque chose de très classique, c'est chansons, comptines, jeux de doigts, etc. Toutes les bibliothèques font ça. Et du coup, là, c'était l'idée de se dire comment est-ce que je vais pouvoir arriver à inclure un petit peu de numérique là-dedans pour faire évoluer leurs pratiques et valoriser ce qu'elles font tout en les faisant monter en compétences en littératie numérique. Et donc, mes collègues m'ont dit les paroles des chansons, on les distribue et on les imprime. Donc je leur dis, super, vous avez un fichier numérique. Elles m'ont dit, non, on imprime sur papier. Je dis, mais donc, du coup, à l'origine, vous avez un fichier numérique. Elles disent, oui. Ce fichier numérique, ça coûte rien et ça ne va pas prendre beaucoup de temps de le copier-coller sur un blog. Jusque-là, rien de super, super étonnant. Et je dis, mais le problème avec ces ateliers-là, parce que j'ai un enfant de 3 ans, et donc du coup, quand j'assiste à ce genre d'atelier avec mon gamin, le problème, c'est quand on revient chez soi, c'est qu'on n'a pas l'air de chanson. Et c'est ça qui manque. Et donc, du coup, c'était de se dire, finalement, on va s'enregistrer. On va enregistrer les paroles. Elle me dit, oui, mais comment on va faire? C'est technique, on s'enregistre, etc. Le truc, c'est que toutes mes collègues ont un smartphone, et elles savent bien l'utiliser, parce que tous les midis, elles l'utilisent, elles font des playlists, etc., et elles jouent beaucoup avec. Simplement, j'ai remarqué que
très peu d'entre elles arrivaient à réinvestir leur pratique numérique personnelle dans leur pratique pro. Et donc, j'aurais dit, mais sur votre smartphone, vous avez une application Dictaphone. Et donc, du coup, on va juste utiliser ça. On utilise l'application Dictaphone, on a le chant, on publie ça sur Internet, et là, on a un blog, vous pouvez aller voir, ça s'appelle racontine.tumblr.com, sur lequel, à chaque fin de séance, du coup, on a tous les chants et toutes les paroles qui sont publiées régulièrement. Du coup, ça permet à tous nos usagers d'avoir les chants, les paroles, etc. C'est complémentaire avec le papier, on met en valeur leurs compétences. Et ça, c'est la première brique. Et avec ça, du coup, bah, elles commencent à comprendre voilà, les fichiers, etc. Et on leur met un peu le pied à l'étrier. D'autres ateliers qu'on a pu mettre en place, récemment, on est sorti sur un atelier autour de la robotique et des arts plastiques avec une classe de CM1. L'idée, c'était de travailler autour de l'œuvre de Kandinsky et d'avoir des robots qui soient capables de recréer des œuvres à la manière de... Alors, c'est très... Voilà, bon... Le résultat est vaut ce qu'il vaut, mais l'idée, c'était de travailler sur un artiste, mais aussi de mélanger avec une autre approche et d'avoir aussi de mettre le pied à l'étrier et d'initier un petit peu à la programmation à travers ça. Mais tout en ayant une approche aussi qui mélange aussi des arts plastiques. Les ateliers Meki Meki, les ateliers qu'on a pu proposer lors de ces deux derniers jours de congrès, tout notre discours, c'était ça. C'était de dire, attention, une carte Meki Meki en tant que telle, ça n'a pas grand intérêt. Parce qu'au final, c'est juste un clavier. Mais tout ce qui va faire l'intérêt de ces ateliers-là, ça va être de mélanger avec des ateliers d'écriture, des ateliers arts plastiques et de la création. L'idée, c'est appuyez-vous sur des ateliers de création que vous faites déjà, dans lesquels vous allez intégrer un petit peu de numérique. Vous commencez petit, et finalement, vous allez rendre compte que le numérique, sur ces projets-là, ça va être que 20%. Mais ça rajoute une petite valeur ajoutée, une bonne valeur ajoutée même, qui va redynamiser une offre d'atelier et sur laquelle finalement l'équipe prend assez peu de risques. Parce que même si la partie numérique se plante, et je suis désolé, mais vous allez vous planter au début, vous allez planter beaucoup, mais finalement le cœur de votre atelier n'est pas impacté. Benoît Valory, qui est juste là, etc., il a fait des super ateliers de création de livres augmentés, etc. Même si la partie technique plante, au final, il reste toujours son atelier de création de livres. Donc voilà, donc au final, bon, heureusement, il ne s'est pas planté sur la partie technique, mais au final, on a toujours le cœur de l'atelier qui reste. Deux, trois choses, du coup, pour terminer. Oui, c'est ce que tu me dis. Hein. Une autre chose également qu'on a mis en place, et on a mis en place l'été dernier, on va refaire ça cet été, les cinémas éphémères. C'est une offre d'ateliers qu'on propose, des ateliers hors les murs, qu'on fait sur les parcs de la ville, sur Choisy-le-Roi. En gros, ce qu'on a présenté, et on a eu tort de le présenter comme ça au début à nos collègues, on a dit, bon, on va filmer avec des tablettes, on va faire des ateliers de petits films, de films de court-métrage sur la ville. Et du coup, on a dit, on va filmer avec les tablettes. Et là, ça a bloqué, dans un premier temps, pas mal les collègues, en disant, attention, support numérique, du coup, c'est pas pour nous. On a bossé dessus avec les collègues du groupe du numérique. Et en gros, ce qu'on propose, c'est travailler sur des comptes traditionnels, de faire des petits storyboards. Alors, on a fait rien d'extraordinaire, mais là, pour le coup, c'est dommage. On aurait pu avoir une valeur ajoutée de la part de nos collègues jeunesse, à savoir, on travaillait sur Cendrillon, le petit chaperon rouge, etc. Voilà, donc des comptes que connaissaient les enfants. Et l'idée, c'était de faire ça, on a toujours des grandes ambitions à Choisy-le-Roi, c'était de faire ça à la manière de Michel Gondry, soyez sympa, rembobinez. Donc des films faits un petit peu avec plein de morceaux de carton, on fabrique nos propres décors, on ramène des déguisements, etc. Le cœur de l'atelier, finalement, c'était pas tellement le fait d'utiliser une tablette, le cœur de l'atelier avec tous ces jeunes-là, c'était de se déguiser, de se prendre un petit peu, de jouer un rôle, etc. Donc, on n'est pas très loin de plein d'ateliers théâtre qui ont déjà eu lieu dans plein de médiathèques. C'était de travailler sur les décors, de les peindre, de les créer, etc. Et puis, à partir de là, on filmait en tournée-montée. Le tournée-montée, c'est tout simple, hein, c'est juste une technique de fainéant pour nous. C'est-à-dire, on filme dans l'ordre, les séquences dans l'ordre dans lequel on va les monter. Comme ça, après, on n'a plus qu'à projeter le film directement. Et en fait, une fois que les collègues ont vu ça, ils se sont rendus compte que le cœur de l'atelier, c'était pas du tout la tablette, mais c'était, on était dans le jeu symbolique, parce qu'il faut se déguiser, etc.
Et ça, ça marche jusqu'en... même avec des pré-ados, etc., ça marche extrêmement bien. Et puis, on était dans l'expression, la création, etc., avant tout. Et finalement, en termes d'application, on a juste utilisé l'application photo et on a juste filmé ça au fur et à mesure. Voilà. Merci. Un petit peu pour... Merci pour ces retours et ces points de vue. Moi, ce que je trouve assez intéressant et marquant, c'est de voir qu'en fait, tout ce qui a été abordé là, il n'y a rien de révolutionnaire. Utiliser une tablette, aujourd'hui on voit bien, il y a des études qui montrent que le marché des tablettes est en train de se casser la figure. Mettre en place, publier des données, si on prend le cas de prévu, il n'y a rien de révolutionnaire. Mettre en place tout un projet autour de ressources numériques, comme dans le cas de la médiathèque départementale du Puy-de-Dôme, des ressources d'auto-formation, des ressources musicales. Ça n'a rien de révolutionnaire. Mais par contre, ce qui est intéressant, quand on prend le prisme de la technologie dans la bibliothèque comme source d'innovation, ça va être plutôt ça, la capacité et les aspects positifs dans la façon dont on va retravailler. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça va modifier nous, en tant que professionnels, nos façons de penser, nos façons de construire des projets et de réussir, et c'est ce qui ressort dans chacune de vos interventions, la dimension transversale et la façon dont on va pouvoir travailler différemment ou de façon assez nouvelle avec des acteurs qui spontanément ne paraissaient pas forcément des acteurs naturels avec lesquels on pourrait travailler. Alors j'ai peut-être une question sur laquelle vous allez pouvoir tous les trois répondre, un peu générale. C'est de se dire, est-ce que, en plus vous êtes dans un cadre différent, BU, BDP, BM, est-ce qu'il n'y a pas aussi une opposition, ou en tout cas un point de vue différent, une contradiction entre l'innovation, comme vous la percevez en tant que professionnel de l'information qui essaye de développer notamment des cultures numériques, et l'injonction des tutelles à vouloir que la bibliothèque innove en introduisant juste des tablettes et des liseuses pour être un peu caricatural. Et comment réussir à faire en sorte de convaincre ces tutelles, ces élus, que l'innovation, c'est pas ça, mais que ça se construit à travers des projets. Oui, ça peut paraître être soit une contradiction apparente, soit en fait assez simplement ce qu'on observe souvent, c'est-à-dire les effets pervers des réponses, des outils mis en place dans le cadre des politiques publiques pour inciter les acteurs à développer un certain nombre de projets. Pour faire une comparaison, moi j'ai longtemps, pendant 4 ans, siégé à la commission diffusion du CNL, que beaucoup de collègues doivent bien connaître pour avoir déposé des dossiers il y a plusieurs années quand on développait des fonds documentaires. Et on avait l'impression parfois même que ça avait l'air d'être... pour certains collègues, c'était très effrayant de voir l'ensemble des critères qu'il fallait remplir pour espérer avoir des aides pour développer tel ou tel fonds documentaire. Mais en fait, je pense que ce dispositif, il était très précieux, mais dans notre organisation relativement centralisée, descendante, et puis avec une logique d'incitation, de levier pour mettre en place des actions, et bien évidemment, l'effet pervers, c'est toujours de se concentrer sur le moyen et de le confondre avec la fin. Donc, obtenir des subventions du CNL pour développer un segment documentaire, c'était évidemment pas une fin en soi, quoi. Le risque, c'était de se dire, il y a un effet d'aubaine, on va avoir 50% de subventions pour développer tel ou tel segment, mais on s'est pas posé la question auparavant, ou en tout cas, on n'a pas eu le temps de se poser la question comment on va en faire la médiation et au service de quel projet documentaire dans l'établissement. Parce que souvent, on se concentrait sur l'urgence du montage de subventions qui est nécessaire parce qu'on a besoin de ces fonds-là et pas forcément sur ce qu'on allait pouvoir en faire après. Alors c'est souvent quand on recevait les bouquins après qu'on se disait bon, là ils sont arrivés, il faudrait peut-être se poser les questions de comment on va faire en sorte qu'ils ne dorment pas sur les étagères. Bon, je caricature évidemment, mais donc je crois que dans le numérique, en tout cas, alors pour l'innovation, c'était encore peut-être encore un peu plus flou, trop récent, mais pour le développement numérique, effectivement, on est dans ces effets pervers-là, évidemment, possible en tout cas. Mais
En ce qui me concerne, je considère que c'est encore... je préfère l'existence d'incitations, y compris financières, pour développer tous ces projets, parce que, vu les tensions budgétaires dans nos collectivités, c'est tout à fait précieux de pouvoir les mobiliser et d'aider. Ça permet de convaincre aussi nos tutelles pour s'engager dans ces projets. À nous de les utiliser en retournant un peu le gant et en se posant la question d'abord du projet, et pas seulement de la fenêtre de tir qu'on peut avoir sur la mobilisation de tel ou tel levier. Donc là encore, je pense que c'est à ça que servent les échanges de pratiques, les formations, les tables rondes comme celle-ci, de pouvoir se poser les bonnes questions avant de mobiliser tel type de subvention, parce qu'on a tous eu des expériences où on a été confronté à ces problèmes, et de pouvoir les partager, et du coup que les suivants ne fassent pas les mêmes bêtises, c'est plutôt bien. Tu parlais de contradictions. Moi, je constate souvent que, en général, les tutelles, les directions sont parfois un petit peu trop pressées. Les projets prennent souvent plus de temps que prévu. C'est vrai que si on ne veut pas se cantonner à de la mise à disposition de matériel, il va falloir proposer des choses, enrichir un petit peu tout ça, et ça prend du temps. Donc, la question du calendrier, la question du timing, elle est souvent cruciale, de par les contraintes budgétaires, de par afficher qu'on propose des tablettes, des ordinateurs portables. Bon, c'est bien, il y a peut-être un besoin, mais ça ne suffit pas et on est là pour aller bien au-delà. Donc, le faire comprendre à nos tutelles, ça prend du temps, il y a tout un travail de persuasion, mais... ça me semble incontournable. Oui, effectivement, ça prend du temps. Après, des fois, il ne faut peut-être pas hésiter à jouer un peu avec le côté vitrine, parce qu'effectivement, on a des besoins de visibilité par rapport à des élus, et il faut aussi rentrer des fois un peu dans leur logique. Mais après, si on est au clair sur nos objectifs à atteindre, et que c'est bien partagé au sein de l'équipe, ça peut aboutir. Juste un exemple, sur mon poste précédent, donc Ulysse, on avait un club de robotique et on a joué sur le côté apprentissage, robotique, etc., clairement au niveau des élus. Mais l'un des points importants du projet, c'était tout le travail d'écriture, etc., qu'on menait sur le blog qui a été mis en place. Et là, on avait un super outil, justement, de médiation, d'animation, avec lequel on travaillait avec les jeunes. Et enfin voilà, là aussi, apprendre à des gamins à écrire ensemble, etc., à partager, à collaborer, etc. Enfin voilà, c'était une des grosses réussites, bien au-delà du fait de juste savoir apprendre à programmer. Alors, oui. Je voudrais revenir juste sur une question plus précise pour Renaud. Puisqu'on a abordé justement la question de l'innovation comme étant en fait quelque chose qui s'inscrit bizarrement dans la durée, dans du moyen, voire du long terme, alors qu'on pourrait se dire l'innovation, il faut que ce soit rapide. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas aussi une frustration, je veux appuyer là où ça fait mal, volontairement, de se dire, votre projet, il s'est construit sur 3-4 ans, c'est ça ? Est-ce que, quelque part, c'est pas... un peu déstabilisant de se dire on arrive au terme de notre projet, on a réussi à mettre en place des ressources, des services, on a réussi à accompagner les équipes, mais aujourd'hui, du coup, on a terminé, mais en fait, on est déjà en retard, on n'est plus innovant. Est-ce que quelque part, c'est pas déstabilisant et du coup, comment réagir face à ce genre de problématiques ? Alors, bonne question. En fait, là, je pense que encore une fois, c'est ce qu'on disait au début, à savoir que l'objectif, c'est pas l'innovation et c'est pas la technologie, c'est la réponse à un ensemble de besoins pour lesquels on mobilise différentes actions à la bibliothèque ou avec des partenaires.
Donc la durée, le temps long, alors je dirais que nous en BDP, voilà, si on a peur de ce temps long, on quitte plutôt les BDP, donc voilà. Donc non, c'est pas forcément très inquiétant, on s'y fait plutôt bien. Il faut simplement, au contraire, ce qui peut être peut-être le plus déstabilisant, c'est plutôt l'aspect éternel recommencement, parce que il faut, une fois qu'on a fini de former sur une certaine technologie, il faut entamer, enfin, d'ores et déjà reprendre sur une autre. Mais le fait de voir, comment dire, ensuite des acteurs, je rejoins ce que disait aussi Julien sur le travail avec ses collègues, des acteurs qui en fait ont compris un petit peu ce que vous essayez de leur mettre entre les mains, si je puis dire, mais je ne parle pas seulement de l'outil numérique, mais voilà, ce que vous essayez de leur proposer et qu'ils se l'approprient et que ce sont eux qui inventent avec, c'est plutôt très très valorisant. Et je pense que là, voilà, si l'innovation réside que dans la technologie, voilà, bon, tous les exposants qu'on voit autour de nous le font bien mieux que nous et très vite. Après, qu'est-ce qu'on en fait au service de l'innovation sociale ou territoriale, puisque c'est si le propos du congrès, ça nous appartient, et effectivement ça s'inscrit dans la durée. C'est même plutôt rassurant, parce que l'innovation extrêmement rapide, on le sait, concerne qu'une part assez faible de la population. Notre objectif, c'est plutôt justement de travailler sur une équité d'accès à ces innovations. Donc ça prend du temps, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas de vocation, on n'a pas vocation à être ni rentable ni concurrentiel, quoi. Voilà. Donc ça m'inquiète pas plus que ça. Je cite juste un exemple pour terminer, parce qu'il y a les collègues de Rion qui sont dans la salle et qui ont beaucoup travaillé avec nous sur ces questions. Enfin, ça fait partie évidemment des bibliothèques avec lesquelles on travaille en partenariat sur ces actions. Ce sont évidemment eux qui nous font aussi des retours sur ce qui marche, ce qui marche pas, et comment dire, qui permettent, plutôt que de rendre cet aspect frustrant, de se dire qu'en fait c'est, voilà, une innovation un peu incrémentale. On améliore un peu la formule d'année en année, et on revient sur certains partis pris parfois. On revient sur certains partis pris et on les développe autrement. Merci. Peut-être il y a des questions déjà qui émergent dans la salle. Oui, il y a une. Bonjour. Plus qu'une question, c'est une remarque qui me vient à vous entendre les uns et les autres. J'ai l'impression, pas seulement à vous entendre, c'est aussi mon expérience ces derniers mois, j'ai l'impression que finalement, l'innovation à travers la technologie, c'est pour nous surtout un formidable moyen de faire travailler les équipes ensemble et de résoudre la problématique qu'on pose depuis des années et autour de laquelle on tourne depuis des années, qui est le décloisonnement des équipes, la trop forte sectorisation qui a pu exister pendant très longtemps. Et voilà, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'avec cette... enjeu-là, même s'il est plus si récent que ça non plus, on arrive à faire maintenant des choses qui amènent vraiment les gens à travailler ensemble là où ils pensaient que c'était pas possible. Voilà. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, merci. C'est en même temps lié au numérique en lui-même, puisque le numérique, par sa nature, par son fonctionnement, par son développement, décloisonne tout. Décloisonne les secteurs, les usages, les apports que chacun peut en retirer. Et de fait, ça nous pousse, nous, derrière, à repenser notre organisation en interne et notre façon de travailler. Vous avez tout à fait raison. Juste sur l'organisation en interne, à Choisy-Laurent, on a un organigramme qui est très transversal, en fait. Au sein du groupe numérique que j'anime, j'ai 6 personnes, sur une équipe d'une trentaine de personnes. Et en fait, chacun de ces membres-là a d'autres missions par ailleurs. Donc j'ai des gens qui vont faire également de l'acquisition jeunesse, l'acquisition SF, j'ai la responsable du circuit du document, etc. etc. Et du coup, en fait, mon groupe, il n'est pas fixe. Et mon groupe peut évoluer. Et d'ailleurs, il a évolué récemment. Et ça, c'est super intéressant pour faire monter en compétence les collègues, parce que les personnes qui sont sorties du groupe, c'est pas qu'on n'en voulait plus, etc., mais j'estimais qu'elles étaient suffisamment à même maintenant, au sein de d'autres groupes de travail, de pouvoir disséminer des compétences numériques.
et je peux faire rentrer d'autres personnes, du coup, pour les faire monter en compétence et les accompagner. Et l'innovation, en fait, elle va passer par là. Parce que du coup, je vais avoir, vous pouvez avoir un responsable poésie et vous pouvez avoir un autre responsable, enfin, quelqu'un qui travaille sur un autre fond. Et encore une fois, c'est tous ces croisements-là qui vont être intéressants. Oui, alors juste avant de prendre une autre question, j'avais vu. Et effectivement, ça, c'est fondamental de construire notamment des groupes numériques avec des diversités de collègues, tout simplement pour éviter l'erreur de se dire le numérique, ça va susciter des usages. Donc, il n'y a que monsieur ou madame numérique qui va se charger de mettre en place ces services et ça va être un flop total. Prenons l'exemple de la mise en place d'une offre de services de livres numériques et les acquisitions seront effectuées uniquement par le chef de projet numérique. Eh bien, il n'a aucune connaissance de la diversité du secteur éditorial de son collègue en jeunesse, de sa collègue en littérature, etc. Et du coup, il y a une déconnexion par rapport au terrain, par rapport aux usages, par rapport aux attentes, ce qu'expliquait notamment Renaud tout à l'heure. Eh bien, la conséquence, c'est de risquer d'aller droit dans le mur et que le service qui apparaissait comme innovant est un flop. Oui, bonjour, Stéphane Dumas de la BDP de l'Ardèche. J'ai été très sensible par ce que disait Renaud sur la e-exclusion, surtout dans nos territoires ruraux et vieillissants. En Ardèche, c'est un peu le problème qu'on a. Et c'était plus en retour d'expérience. Nous, il y a quelques années, on a mis des liseuses en EHPAD, en maison de retraite, pour toucher les publics empêchés, les publics handicapés. Et ça fait aujourd'hui 2 ans et demi, 3 ans, et on s'aperçoit que les personnes âgées ont réussi à s'emparer de la technologie, les animateurs aussi, et les maisons de retraite aujourd'hui commencent à investir dans des liseuses, les prêtent à leurs... c'est pas des usagers, à leurs résidents, merci. Et grâce à notre portail et à ce qu'on peut penser sur le prêt de livres numériques en bibliothèque, peuvent alimenter et peuvent fournir à leurs usagers les livres dont ils ont besoin. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Ardéchois, comme souvent, et simplement je précise une chose pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'innovation. Ce que ça nous a permis de réaliser, par exemple, en termes d'innovation, c'est que quand on a choisi nos liseuses, on les a choisies la première fois en fonction de tout un tas de critères techniques qui nous apparaissaient intéressants pour nous, 30, 35 ans, 40 ans, utilisateurs de liseuses. Et quand on les a prêtées ensuite dans certains projets, dans des EHPAD, effectivement, on s'est aperçu que par rapport à la physiologie et aux capacités motrices des personnes âgées, on était un peu passé à côté parce qu'on avait choisi des liseuses en se disant ça va être générique et servir à plusieurs types de projets. Et c'est là où je crois où l'innovation réside, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait on n'était pas bien informé à ça, on aurait dû sans doute se documenter un petit peu plus et aller voir aussi les animateurs ou animatrices de maisons de retraite, mais bon, encore voilà, on voulait quelque chose d'assez générique à ce moment-là. Et en fait je crois que l'innovation au-delà de cette technologie, c'est la question de l'innovation par les usages, ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation par les usages. Voilà, c'est travailler avec les usagers et avec leurs usages réels sur la base de prototypes avant de passer à l'échelle, comme on dit, et de mettre en place des process. Je pense que si on avait fait ça, effectivement on aurait choisi des liseuses un peu plus adapté par rapport à l'usage en EHPAD qui effectivement se révèle très intéressant pour les liseuses. Donc voilà, nous finalement l'innovation c'était pas tant l'outil, c'était comment ça a réinterrogé nos processus et nos procédures, puisqu'on est dans un monde de procédures dans l'administration pour réfléchir et choisir quoi. Bonjour. Justement, la question vient d'être abordée sur ma question que je voulais poser, c'était que vous nous parliez un peu plus des publics et justement de la réception de ces nouvelles pratiques, de ces nouveaux usages, et savoir éventuellement aussi si parfois vous étiez passé par des enquêtes un peu auprès de vos publics pour savoir ce qu'ils attendaient en termes d'innovation numérique, comment vous avez pu associer les usagers et les étudiants en BU. Merci. Alors, pour l'instant, on a fait relativement peu d'enquêtes sur le numérique. On sait qu'il y a... par contre, ce qu'on constate, c'est que on manque d'ordinateurs à la bibliothèque. On a un parc... je ne vous ai pas dit, on a à peu près 21 000 étudiants.
On a un parc informatique de 200 postes qui est aux heures où il y a le plus d'étudiants. Il fonctionne à plein régime, il y a des étudiants qui attendent. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a souhaité mettre en place le prêt d'ordinateur portable sur place, justement pour répondre à ce besoin. Mais on était relativement pressés, donc pour le coup, non, on n'a pas fait d'enquête. Je pense qu'au bout d'un an, on sera amené à faire une enquête plutôt bilan pour voir ce que ça donne. Et puis après, effectivement, donc on envisage de passer aux tablettes parce qu'il y a également une attente en la matière. Bonjour, j'ai une petite question. Dans des équipes qui sont très sectorisées, en fait, où chaque assistant est très spécialisé, il y a le monsieur du numérique ou la dame. Comment est-ce que vous avez conduit les équipes au changement et à aller au-devant des résistances qui sont souvent des peurs de l'inconnu ou du changement? Est-ce que vous avez travaillé en amont? Combien de temps ça a pris? Et ensuite, comment vous avez évalué les résultats? Alors, donc dans mon cas de figure, hein, je dirais que la première difficulté, mais bon, c'est probablement parce que le département recherche et développement, c'est récent, j'ai été amenée à travailler beaucoup avec mes collègues du service informatique. Alors, j'ai trouvé ça passionnant. Moi, je ne suis pas geek et je n'ai pas la prétention de l'être. Mais déjà, effectivement, oui... prendre le temps de travailler ensemble. C'est vrai qu'on est dans des organigrammes qui sont quand même très figés. Et donc, du coup, on a des organisations de travail qui sont très rigoureuses, hein, de par les plannings de services publics, qu'on soit dans de petits établissements ou dans de grands établissements. Donc, ça implique effectivement de travailler de façon quand même assez différente. On essaie d'adapter le cadre. Des réticences, oui, il y en a, il y en aura toujours. Il y a des collègues qui... Donc, nous, en plus, là, on est vraiment dans le cadre d'une réorganisation des espaces. On va faire de gros travaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer en même temps. Donc, effectivement, il va falloir leur proposer des... Je parlerai plutôt de sensibilisation, parce que, justement... On ne sait pas quel usage les étudiants vont faire, comment ils vont s'approprier l'outil. Donc on est plutôt parti avec la collègue responsable des services au public vers une sensibilisation, quelque chose de relativement léger, d'observer les usages et après de pousser davantage en termes de formation. Par rapport à Choisis Laura, par exemple, pour les acquisitions d'applications sur tablette, en gros, l'idée, c'était surtout de s'appuyer sur des formats déjà existants. Et enfin, ce que je fais beaucoup, je m'appuie toujours sur des choses que mes collègues ont déjà l'habitude de faire et dans lesquelles je vais essayer de m'intégrer. Et là, par exemple, pour les tablettes, c'était tout bête, mais on a fait un comité application. Et c'est un format qu'elles connaissent déjà, qu'elles ont déjà l'habitude d'utiliser pour d'autres types d'acquisitions. Et le fait de passer par ce format-là, bah, du coup, pour elle, c'était naturel. Mon premier réflexe avait été de passer par des outils de veille en ligne, etc., etc. Parce que moi, je baignais là-dedans, mais c'était trop compliqué. Et il y avait trop de choses à avoir. Donc là, on passe par ce biais-là. Ça a pris. Et là, après aussi, pour que ça puisse se partager, chaque mois, on fait une présentation des applications sélectionnées à l'ensemble de l'équipe. Et c'est ce que tu disais, Renaud, là, fin, t'es heureux quand tu vois tes collègues qui s'approprient et qui diffusent ça. Et là, je vois mes collègues qui présentent les applications qu'elles ont sélectionnées à l'ensemble de l'équipe. Et ça roule maintenant. Donc là, on est plutôt chouette. Après, on sélectionne 5-6 applications maxi. On fait ça une fois par mois. Enfin, voilà. On procède par étapes. Et en termes de temps, oh, on est sur des projets de 3-4 ans. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, on a du temps et il faudra prendre le temps, justement. Mais une fois qu'on aura réussi à faire monter tout le monde en compétences, là, ce sera chouette.
Peut-être Renaud, tu peux, excusez-moi, compléter en expliquant comment les fiches de poste ont été repensées, justement pour pouvoir accompagner cette innovation. Alors nous, en fait, déjà pendant, pour répondre sur la question de l'accompagnement, effectivement, dès 2009, la bibliothèque départementale, il y a eu deux, trois ans de formation, sensibilisation de toute l'équipe au numérique. J'étais pas encore arrivé à ce moment-là par un ensemble de personnes comme Pascal Desfarges qui était là hier. Et puis ensuite, du coup, l'idée a été de créer donc deux postes, le mien et celui d'une de mes collègues qui est toujours là et qui avait dans son poste une forte dimension, presque. Bien la moitié de formation à l'équipe en interne et puis évidemment aux collègues, aux partenaires avec lesquels on travaille sur le réseau. Donc on s'est donné les moyens, on pouvait le faire, d'avoir un poste dédié à presque un peu plus de 50% même à la formation. Aujourd'hui on passe à une autre organisation, donc maintenant il y a des projets qui sont en place, comme disait Julien, voilà, au bout de 3-4 ans il y a des choses qui tournent et il faut en envisager d'autres, mais il y a encore une forte dimension de formation. Pour prendre un autre exemple aussi, on s'est inséré dans des actions existantes, on a un dispositif de formation à la lecture individualisée pour les tout petits avec Access en l'occurrence, mis en place par une de mes collègues, et on a essayé d'insérer la question de la lecture sur tablette, donc avec les tout petits, avec les médecins de PMI d'abord, qui elles avaient évidemment de fortes réticences à cause de tous les problèmes que je vous citais qu'elles voient dans les consultations d'enfants qui sont devant des smartphones ou des tablettes dès un an dans les poussettes. Donc déjà ça, il a fallu qu'on prennent, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit en bibliothèque, parce que peut-être le public qui fréquente les bibliothèques ou les situations d'usage font qu'on passe un peu à côté de ça. Donc de pas arriver avec une vision un peu idyllique des choses et d'entendre ce discours un peu alarmiste et de le prendre en compte. Et du coup, nous, on a essayé de travailler avec ces spécialistes de la petite enfance et les collègues qui étaient insérés dans cette action sur ce qu'il pouvait être utile ou pas de développer sur le numérique. Et ben là, du coup, ma collègue dont je parlais tout à l'heure, son nouveau poste, à peu près un tiers de son temps est consacré à cette action avec quatre bibliothèques sur le département. Vous voyez, c'est très peu, mais il faut quand même un tiers, c'est peu de bibliothèques touchées, mais c'est parce que c'est le démarrage et qu'il faut consacrer beaucoup de temps pour la compréhension, la sélection des applications, la réflexion sur les animations, l'évaluation aussi, et toujours dans une démarche de prévention, etc. Bonjour, donc Marie-Paul Donc, pour l'instant en formation à l'INET et je reviens bientôt à Metz. Et dans le cadre de cette formation, j'ai mené une étude sur la biothèque numérique que nous allons mettre en place au sein du Sillon Lorrain. Le Sillon Lorrain étant une entité qui agrège quatre collectivités, donc Metz, Nancy, Épinal et Thionville. Donc c'est un projet que nous allons mener ensemble, qui est déjà en train d'être projeté par Malik Diallo, donc, qui est le chef de projet de la BNR du Sillon Lorrain. Et mon travail a été de réfléchir sur la mutualisation de ces équipes-là, des niveaux de connaissance, de faire un état des lieux sur la connaissance que nous avions du numérique au sein de toutes les couches de la hiérarchie, donc du A jusqu'au C, hein, et du C jusqu'au A. Donc peu importe, on s'interrogeait sur tous les niveaux de catégorie. Comment donc mutualiser ces connaissances? Comment faire monter en compétences sans passer par des situations formalistes trop complexes et des procédures qui n'en finissent plus? Donc moi, je suis allée chercher un peu ce qui se pratiquait ailleurs, naturellement, mais j'ai vu que finalement, chacun dans les quatre entités, les quatre collectivités, nous avions des expériences à tout niveau, dans toutes les couches. Donc il y a des modes très décomplexés de formation qui sont en train d'être mis en place. Donc il y a l'expérience de Nancy qui s'appelle les cafés numériques, qui tous les jeudis matins, les équipes sont invitées, quel que soit le nombre de personnes, à réfléchir sur un objet numérique, sur une tendance, sur une application spécifique, etc. Il n'y a pas d'ordre de jour, d'accord ? Les personnes viennent qui veut venir, en dehors de tout contexte ou de mission spécifique. Donc c'est vraiment, quand je dis très décomplexé, c'est décomplexé. Il y a naturellement un soutien de la hiérarchie totale. Donc ces jeudis numériques sont montés tout doucement, donc 3, 4, 5 personnes, jusqu'à 20 personnes qui échangent tous les jeudis matins sur un sujet en particulier. Donc cette montée en compétences, en fait, elle se fait grâce au pair, c'est-à-dire à une catégorie C qui va apprendre à une catégorie A, B vers le C, etc. Donc il n'y a pas du tout de verticalité comme on l'a retrouvé auparavant. Et le fait d'internaliser cette formation
au sein même de l'équipe apporte de la validité à l'ensemble. Donc quand tu parlais du numérique global, oui, c'est le numérique, en fait, il faut vraiment pas réfléchir comme on réfléchissait en partant de l'imprimé vers le numérique, mais penser numérique dès le début. C'est-à-dire que le copier-coller, ça marche pas dans ce monde-là. Donc il faut vraiment approcher les choses de façon différente. Donc moi, je sais que cette expérience, je devrais normalement la continuer en retournant à Metz sur tout ce principe de biotech numérique, de formation, etc. Donc j'y crois fortement, mais pas en ayant toujours quelque chose qui vienne de l'extérieur vers l'intérieur, mais le penser en interne dès le début. Et avec ça, j'imagine, en tout cas, il y a largement des compétences au sein de nos équipes. Le numérique, c'est quand même quelque chose qui nous touche, parce qu'effectivement, tu citais l'expérience du smartphone. Les collègues font des applis régulièrement, les utilisent, mais n'imaginent pas qu'ils font du numérique. Mais en fait, c'est ça qu'il faut complètement décomplexer. Et je pense qu'en décomplexifiant aussi, grâce à la transmission par nos collègues, on y arrivera largement et assez rapidement, à mon avis. Voilà. Oui, merci. Et effectivement, à travers ce témoignage, on voit bien encore une fois que l'innovation technologique en bibliothèque, elle se traduit pas forcément en termes de projets concrets qui va être très innovant, mais dans la façon dont on va repenser notre organisation de travail en interne. Et c'est ça là qui est aussi intéressant en tant que professionnel, de voir comment on va évoluer pour travailler ensemble et casser cette horizontalité et plus envisager de la transversalité, de l'horizontalité, plutôt que la verticalité, pardon. Et comme ça vient d'être dit, ce qui peut marcher aussi dans un endroit ne va pas systématiquement marcher ailleurs. Et ça, c'est important à prendre en compte, à la fois dans l'organisation interne qu'on va vouloir mettre en œuvre, puisqu'il va pouvoir y avoir des résistances, il va pouvoir y avoir tout un tas de blocages qui correspondent au territoire, à l'histoire du territoire, des agents qui sont là, etc. Et puis tout simplement aussi, et surtout, au public touché ou qu'on a envie de toucher, qui vont avoir des besoins, des usages totalement différents d'un territoire à l'autre, au sein même d'ailleurs, par exemple, du sillon lorrain. Je pense qu'il y a des clivages très importants. Et du coup, la nécessité, quand on veut penser innovation technologique en bibliothèque, de réfléchir vraiment avec le triptyque besoin, usage, outil, pour être sûr d'être le plus efficient possible dans la mise en œuvre de ce genre de service. Il y avait d'autres questions ? Oui, je suis désolée, je reprends la parole. J'ai oublié de me présenter tout à l'heure. Donc, je suis Anne Baudot, responsable de la médiathèque intercommunale de Crolles dans le Grésivaudan. Ma question là s'adresse plus particulièrement à Renaud Ayout avec cette casquette-là de médiathèque tête de réseau. Comment, déjà, est-ce que sur le territoire qui est le vôtre, vous avez ce type de médiathèque, d'une part, et d'autre part, comment est-ce que vous travaillez ensemble BDP et MTR en direction des autres bibliothèques en termes d'accompagnement, de formation, d'expertise? Est-ce que vous utilisez les MTR aussi comme des outils de cet ordre-là ou pas du tout? Non, effectivement, la structuration du réseau, du maillage des bibliothèques dans le Puy-de-Dôme n'est pas tout à fait celle-ci, bien qu'elle s'en inspire, mais malheureusement, c'est pas possible d'avoir cette exigence-là ou enfin, ce formalisme-là en termes de typologie. Donc, il y en a quelques-unes en revanche qui ont ce genre de caractéristiques, évidemment, dans ces cas-là, mais c'est pour ça que je citais tout à l'heure les collègues de la bibliothèque de Riom. Ce sont évidemment des bibliothèques avec lesquelles on peut, je dirais pas forcément aller plus vite ou plus loin, mais qui ont, elles, un niveau d'exigence un peu différent parce qu'elles sont tout simplement au contact avec un public déjà beaucoup plus large, diversifié, avec des pratiques numériques, etc. Donc voilà, c'est plutôt, moi j'ai l'impression que ce qui va différencier les typologies de bibliothèques avec lesquelles on travaille, c'est finalement la typologie de public avec lesquelles elles sont en prise, quoi. Donc voilà, mais par contre on est plutôt égalitaire dans le traitement, on passe le même temps, sur toutes, mais à elles de choisir si elles veulent qu'on forme quelques personnes qui infusent ensuite le numérique dans l'équipe, ou si au contraire il faut qu'on passe ce temps-là nous au sein de leurs équipes qui sont éventuellement bénévoles. Ça, on se met à la disposition des bibliothèques, c'est prenant, mais bon, on est là pour ça, quoi. Oui, bonjour. J'avais une question plus directement à l'intention de Julien, si possible. Tu parlais de projets que tu mettais en place dans ta structure à Choisy-le-Roi.
Plus concrètement, en fait, quand tu montes un projet au départ avec ton expertise numérique et que tu la transmets à tes collègues, comment tu fais concrètement, en fait, pour arriver, en fait, à lâcher prise et à faire que les collègues soient indépendants? Moi, c'est ma problématique dans ma structure, c'est que je monte un projet avec eux, mais il faut toujours que j'accompagne. Si je lâche la bride, après, voilà, ça périclite. Mais donc, quel est ton truc Je sais pas. Mais en gros, c'est effectivement, mais c'est beaucoup d'accompagnement. Effectivement, il faut que je continue. Pour l'instant, en tout cas, il faut que je continue à suivre. Mais ponctuellement, là, récemment, il y a une ou deux fois où j'étais pas là, et c'était le jour de la réunion. Et mais du coup, j'ai pas décalé la réunion pour voir justement. Ça s'est bien passé. Donc voilà, donc tout va bien. Donc à un moment donné, faire confiance et puis on y va. Et puis si jamais ça se passe pas, ben on y retourne, mais avec toujours beaucoup de bienveillance, beaucoup de patience, etc. C'est pas toujours évident, très honnêtement, mais on y va. Et puis là, récemment, la dernière fois, j'ai demandé à, et je m'attendais jamais à dire ça à mes équipes, mais à un moment donné, j'aurais dit, voilà, mais calmez-vous là. On va déjà faire ça, ce sera déjà très bien, parce qu'il partait sur plein d'autres projets. Mais ça fait partie de mon rôle aussi, à un moment donné, de bien cibler les priorités et puis de dire, bah, attention, on va d'abord se concentrer là-dessus. Donc là, je pense que ce qui a marché, là, en tout cas, ce qui est en train de fonctionner, c'est que j'ai pris le temps, et ça rejoint un petit peu les questions, c'est-à-dire que je me suis intéressé à ce qu'elle faisait, parce que majoritairement, ce sont des femmes. Je me suis vraiment intéressé à ce qu'elles faisaient. J'ai pris part aussi à leurs ateliers. D'ailleurs, à un moment donné, il y a Dans mon petit quinquin sur le blog Racontine que je vous interprète avec l'accent du Nord. Je vous invite à l'écouter. Mais du coup, voilà, il faut aussi... Enfin, je veux dire, les préjugés sur le numérique, ça marche dans les deux sens. Il faut que votre médiateur numérique... Enfin, il faut qu'il lâche aussi ses a priori sur les bibliothécaires, sur la mission... Et ça lui fera pas de mal d'aller faire des ateliers, aller chanter des chansons, aller faire de l'accueil, etc. Non, mais il faut qu'il se rende compte, parce que quand il va se rendre compte de ça, il sera plus à même, du coup, de pouvoir croiser des approches et de pouvoir investir aussi. Et ce sera aussi, il sera plus légitime aussi à demander aux collègues de dire, venez aussi vers moi, enfin, voilà. Et puis, ce groupe numérique-là qui change aussi, enfin... Après, du coup, ça me permet de me reposer aussi sur d'autres personnes qui vont faire ce boulot-là. Parce que je sais qu'après, enfin, là, c'est des questions de management. Il y a des collègues avec qui ça passe très bien, des collègues, si j'y vais, ça va moins bien passer, parce que c'est de l'humain. Et donc, du coup, je vais passer par d'autres collègues avec qui ça passe bien. Donc, voilà, il faut être en veille relationnelle, comme ça, tout le temps. Il faut savoir ce que font les uns les autres pour... Lorsque je vois... j'ai des personnes qui vont accueillir dans les maisons de retraite, d'autres personnes qui vont faire des accueils auprès de personnes handicapées. Et il faut que j'ai une veille suffisamment large pour pouvoir rebondir à un moment ou à un autre sur ce qu'ils peuvent proposer en fonction des publics différents qu'ils peuvent rencontrer et de leurs projets différents. Voilà. Et c'est beaucoup d'accompagnement. C'est ça le truc. Mais c'est pas vraiment un truc, en fait. Oui, bonjour. On a parlé innovation, on a parlé un peu technologie, et moi, je suis responsable des bibliothèques numériques de la BCU de Clermont-Ferrand. Il y a quand même un côté technique, et donc je voulais savoir comment se passe l'implication avec des services informatiques, avec des gens qui sont sur de l'informatique pure. Est-ce que vous avez, vous, des services informatiques qui sont dépendants de la structure de tutelle, ou est-ce que vous avez des services informatiques qui dépendent vraiment de votre établissement? Alors, à la bibliothèque de Saint-Denis, on a effectivement une cellule informatique qui s'appelle SysInfo, Système d'information. Donc on a deux collègues qui sont techniciens, tout ce qu'il y a de plus technique, et on a la chance, parce que c'est pas si fréquent que ça, d'avoir ce service à d'excellentes relations avec la DSI, qui est le service informatique de l'université, qui les laisse quand même beaucoup plus libres que dans beaucoup d'universités que j'ai connues par ailleurs. Donc ça facilite énormément les relations. Donc on a des techniciens en local,
et ils travaillent vraiment main dans la main avec la DSI, ce qui facilite énormément les choses. Voilà. Et ce que je peux dire aussi, c'est que ces collègues qui sont informaticiens à la bibliothèque sont très sensibles aux usagers, à leurs besoins, et ils sont partants pour mettre en place des choses nouvelles. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on est dans un contexte qui est très favorable. Nous, on a, au total, on est 3 sur l'équipe à faire la maintenance de premier niveau, mais on a une DSI qui ne s'appelle pas une DSI à Choisy-le-Roi, c'est Direction numérique et réseau. Et pour la petite anecdote, notre responsable de service-là a eu son concours de bibliothécaire. Donc du coup, en termes de questions d'usage, il est très en pointe. Et à titre indicatif, on est tous administrateurs de nos postes sur la ville de Choisy-le-Roi. Et mon administrateur réseau m'expliquait que, en fait, c'est les collègues de mairie qui viennent le voir pour lui demander de leur retirer les privilèges d'administrateur parce qu'ils ont peur de faire des bêtises. Mais du coup, ça permet aux gens qui ont envie de pouvoir faire. Donc voilà, donc on a une très grande liberté et c'est cette liberté aussi qui nous permet d'expérimenter, de faire plein de choses. Alors peut-être pour terminer là-dessus, nous également, la DSI est un autre service du conseil départemental. Comme la plupart des DSI, il y a des techniciens réseau, applications, développement, etc. Mais on a quand même un référent plus particulièrement au développement qui est notre référent à la fois sur la gestion de la base de données puis l'ensemble des développements qu'on veut faire. Donc ça, c'est très précieux d'avoir quelqu'un quand même qui suit plus particulièrement notre dossier sur la longue durée. Et je dirais que à part sur les points très précis, techniques de développement, je remarque que nos collègues de la DSI sont souvent très intéressés par les projets qu'on mène, plus parce que ça les sort un peu de leur univers de gestion pure, du parc informatique, des applis, du réseau, etc. Et puis que c'est des gens comme, évidemment, enfin, tu le connais comme moi, des gens comme nous qui, dans la vie de tous les jours, utilisent un smartphone, une tablette, se posent la question est-ce que je suis sur Apple, sous Android, sous etc. Enfin, avec des parties prises, et qui observent les usages aussi de leurs enfants, de leurs amis, etc. Et finalement, j'ai l'impression qu'on est aussi pour eux un miroir d'une société en évolution dont ils sont parfois un peu coupés quand ils sont vraiment dans les silos très techniques de l'organisation de leur DSI. Et du coup, ça les intéresse et ils essaient de comprendre pourquoi on veut faire ça, etc. Ils n'ont pas toujours de réponse ou de temps à consacrer à ça, mais j'ai l'impression qu'il y a, pour eux, on a une petite fenêtre sur l'extérieur et on essaye de jouer cette carte, quoi. Ce qui est intéressant sur vos 3 expériences là, au niveau de votre DSI, c'est qu'en fait, le DSI est vraiment un service support. Et c'est la clé de voûte pour pouvoir réussir à être innovant, c'est que ce ne soit pas un adversaire, que ce ne soit pas un obstacle, mais qu'on lui dise « je veux faire ci, je veux faire ça », et que lui dise « ok, je vais t'aider à mettre ça et ci et ça en œuvre ». Et ça, c'est vraiment la condition sine qua non pour qu'on puisse réussir à être innovant et qu'on ne passe pas du temps à batailler, à justifier qu'on ait besoin de telle ou telle mise en place de service. Si l'heure touche à sa fin, j'espère qu'il n'y a pas d'autres questions, sinon vous pourrez toujours interpeller. Allez, une dernière pour la route. Bonjour, vous avez évoqué des réticences de certains professionnels face à la mise en place de dispositifs numériques. Je me demandais si vous aviez constaté aussi des réticences des usagers, alors en fonction des publics, soit face aux dispositifs numériques en général, soit aussi face au fait d'être accompagné, parce qu'il y a probablement des gens qui pensent qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls, soit avec les ordi en BU, soit avec les tablettes en bibliothèque, etc. Oui, je crois que c'est moi qui ai parlé de réticence, effectivement, des usagers. Oui, à plusieurs titres. D'abord, on a des usagers qui sont très méfiants par rapport, évidemment, à la collecte de bases de données qui est nécessaire, la collecte de données pour constituer des bases d'usagers nécessaires pour l'accès aux ressources électroniques, par exemple. Donc on essaye effectivement d'être un peu transparent et plus éthique, enfin le plus éthique possible. Ça nous, quand on a face à ces questions-là, ça nous renvoie aussi à nos obligations et à notre éthique. Des usagers qui sont aussi pour qui le numérique est la disparition programmée, soit des lieux physiques,
soit des collections papier, physique, etc. Donc oui, je dirais que les tensions, enfin comment dire, les réflexions qui traversent nos équipes, on les remarque aussi chez le public, mais peut-être avec moins de, comment dire, le public peu intéressé nous le dit relativement poliment, sans, comment dire, voilà, et passe et tourne la page. On n'a pas de personnes voilà, qui vont protester de la mise en œuvre de cette politique publique auprès du conseil départemental, enfin en tout cas chez nous. On a plutôt des retours, c'est souvent les plus motivés qui nous font plutôt des retours positifs. Mais je crois que oui, c'est des réflexions qui traversent la société. On a même sur le Puy-de-Dôme un petit territoire où ils sont effectivement anti-ondes. Alors voilà, bah, il n'y a pas d'un village où ils ne veulent surtout pas que ni la 4G ni le très haut débit arrivent. Donc bon, là, il reste des bibliothèques papier, heureusement. Voilà, des lieux physiques. Bien, merci à tous pour votre écoute, votre participation. Et bon, bah, si on devait retenir quelque chose de l'innovation technologique, c'est que ça demande du temps, c'est de la transversalité, ça révolutionne notre façon de travailler, et c'est surtout un moyen, en fait, de repositionner la bibliothèque et son rôle social. On l'a vu avec la question des usages, et un excellent moyen d'envisager l'innovation technologique comme permettre aux bibliothèques de se positionner directement sur la question du développement de la littératie numérique et comment être capable de rendre les usagers conscients de passer du stade de l'utilisation à la maîtrise et à la compréhension des enjeux numériques pour en faire des citoyens éclairés et qui participent au débat démocratique de notre société. Je vous remercie et bonne fin de congrès.